What's up my boys, bienvenue dans cet épisode 2 en Thaïlande. Avant toute chose, j'aimerais remercier NordVPN qui sponsorise cette vidéo. Avec mon métier de créateur de contenu et de combattant de MMA, et vous le voyez avec les vlogs, je commence de plus en plus à voyager. J'étais en Albanie pour les championnats du monde, là je suis en Thaïlande, je risque encore dans l'année de partir pour les championnats d'Europe, championnats du monde qui sont dans d'autres pays. Donc je vais être amené à voyager de plus en plus, que ce soit pour des combats ou juste que j'ai envie de me détendre et de regarder un film qui est seulement disponible en France alors que je suis en Thaïlande. Le site m'affiche en message comme quoi le vidéo que je souhaite regarder n'est pas disponible dans le pays où je suis. J'ai la solution les gars, c'est NordVPN. Grâce à NordVPN, je peux changer mon emplacement virtuellement, c'est-à-dire faire croire que ma connexion se trouve dans un autre pays que celui dans lequel je me trouve. Je peux donc contourner les géo-restrictions de certains sites pour profiter de mes abonnements tout tranquillement de n'importe où je suis dans le monde. Ça fonctionne en étant à l'étranger pour les programmes français, mais ça fonctionne aussi à l'inverse. Si moi je suis en France et que je souhaite avoir les accès aux programmes étrangers, un des seconds gros avantages de NordVPN, c'est la sécurité. En Thaïlande ou en Albanie, quand je voyage, j'ai tendance à me connecter au réseau Wi-Fi un peu partout sans craindre grand-chose. C'est une grosse erreur de ma part. Grâce à NordVPN, je peux me connecter sur n'importe quel réseau Wi-Fi tout en étant protégé et sans crainte de me faire pirater. Avec mon lien en description, tu bénéficieras de 4 mois gratuits sur l'abonnement de 2 ans. Si on fait le calcul les gars, ça revient à moins de 3,17€ par mois. C'est moins qu'un repas entrée plat dessert en Thaïlande. Et en plus de ça, c'est satisfait ou remboursé en 30 jours. Voilà l'équipe, merci beaucoup à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et maintenant, place au vlog. Je suis dans la jungle là poteau. Mais Dieu, c'est mieux. Attends, mon vol. J'ai tourné cette semaine, j'ai tourné qu'avec Brad Riddell. Ouais. Qu'avec. C'est bien, hein. Le tracking, il est comment, lui ? J'ai pas tourné avec un tracking pour un mix-up. Ah. Et début de la semaine, j'ai tourné avec un japonais, pareil, qui est au PFL. Avec un autre qui est au Bellator, la marque Ewen. C'est une des seules fois que je me suis blessé, c'est que j'ai fait ça à des amateurs. C'est ah, ça, okay. Que là, je tournais qu'avec des mecs chauds. Hier, je suis allé à la boxe à Gotaï, je me suis niqué, mais là, je me suis niqué tout seul. En envoyant un coup de pied, c'est moi. Mais ça arrive, ça. Ouais, c'est rien, tu vois. Non, sinon, moi, je tourne qu'avec des mecs où je vois, ah ouais, lui, il est chaud, il est bien bâti. Oh, je sais que c'est un vrai mec qui boxe, tu vois. Je tourne pas avec les polars. En plus, il y a personne qui met des casques. Moi, à chaque fois, je leur dis, tu sais quoi, SBG et tout, je tourne qu'avec le casque. Moi, je veux que tu mettes un casque, c'est pas pour ta tête, c'est pour ma main. Mais moi, j'arrive vraiment pas à boxer avec un casque. Eh, les 17 mai, ça va péter, hein. Là, en fait, je me suis rendu compte, au début, quand on en parlait, je pensais que les 30 000, je pouvais les remplir. En fait, 30 000, c'est beaucoup. Ça fait deux fois Bercy. 30 000 c'est. Mais il va, Willy va jamais ouvrir 30 000 frérot. Non mais si, il y avait la demande. Si. Je pense que. Il va mettre 10 000. Il va ouvrir premier rang, il va mettre 5, après 10, après 15, après 15. Si 15, je pense qu'on va, on va avoir, on va avoir un bon fight. Donc je pense que ça va rentrer. Ah ouais. Ouais. Il y a qui? Toi et tu passes pas pro? Non. Non, c'est pas pro. Mais y'a qui en pro? Bah, Ibrahima, partie 2? Non, frère, ça y est, lui. Non, ouais, ça. Normalement, y'a une ligue spéciale pour. C'est des couilles. Bah, genre la vie de ta mère? Ouais. The Solution ou pas, frérot? Bah, vraiment. T'as parlé ou pas, ou hein? Ah, gros, tu fous de ma gueule, dis sérieusement. En France, t'as toujours moi. Toi, vraiment, tu penses que je suis un sgeg, frérot? Parce que... Mais voilà, non, moi, tu penses que je suis un sgeg, parce que tu me dis vraiment. Mais, à plus, vous. Écoute-moi. Ah, gros, c'est un. Parce qu'il fait tout pour le buzz. Dès que c'est dit qu'il y a du buzz. Putain, ouais. C'est une dinguerie, ça. Attends, t'es en train de mettre le main event? Je sais plus. C'est bah obligé. Et c'est à rien, c'est chez toi. Après, ça peut vraiment faire une dingue. Ça peut être vraiment lourd. Il veut pas faire comme toi? Si, il veut faire. Lui, il a dit oui. Ah, lui, il est chaud. Lui, il est chaud, frère. Hein. Il s'en bat les couilles, il veut se péter. How did you end up there? Where? With them. With them? Yeah. At the gym, I guess. Ah, okay. Because we nice, brother. Why? You la moula. This or like this with this? No, only this. This. Like this, okay. My chin. 45 degrees, yes? Yeah. Same. 45 degrees, not too much. Like this. 45 degrees, little bit. Yeah. Whoa.
Oh, oh, inside, yes, this shoulder, good. Boom, boom, oh, shoulder two. Boom, boom, step out, yes. Boom, boom, yes, one more, shoulder, shoulder, one more. Boom, boom, oh, one more. Boom, boom, yes, great. Boom, good. Boom, like inside. No, touch it. Wait. Okay, but boom, inside. Wow. Try bring your weight, bring to your target. Not weight, not hit. Need weight. First weight. Right moment. Right shoulder. Try push. Inside. Yeah. Move. Oh, more power. Power, yeah. Inside. No worry about if you... You need more power, yeah. Arms. Look. Oh. Boom. Boom. I go. Boom. And this. What? Boom. Yes. Back. Stop. Back. Yes, yes. Oh, it's good. Yeah, I tell you, if no worry about, okay, opponent move, no worry about this, it's okay. No good is shoulder. Okay. Yeah, yeah. Okay. This, okay. Boom. No problem. I'm good. Elle dit, en gros, il dit que l'épaule, c'est le plus important à mettre devant. Si le coude, il est plié, c'est pas grave, mais il faut vraiment que l'épaule soit devant et que j'ai mon poids soit sur la frappe. Mais c'est bien parce qu'il donne vraiment des bons petits détails. Des petits détails que bah, là on prend le temps. En fait, je pense que je vais faire plus de coaching privé même à Paris parce que là c'est quelqu'un qui prend vraiment le temps de te corriger les petits détails. Et je préfère faire une session comme ça que 10 sessions de MMA où tu vas juste charbonner, tu vas faire ton cardio. Mais en vrai, je sais pas si tu travailles vraiment ta technique et tout. Ça, c'est vraiment bien les coachings privés. Quelqu'un qui prend le temps de t'expliquer vraiment. Et là, il connaît vraiment les petits détails pour les kicks, pour les angles, les hanches, l'épaule, comment placer l'épaule, tout ça, c'est vraiment important. Too much, this, up okay. To you, this, this, okay, this. Okay. But not heavy weight, you know, because after problem, okay, again, light weight. For me, usually I do, you know, I tired. Okay, I wait maybe 1 minute. Again. Whoop, oh. Yes? Okay. Not only. Okay. Whoop, oh. Whoop, oh. Because after boom. Boom, yeah. Strong. Yeah. Stronger. Oh. Stop. Boom. Boom. You see my elbow? Same line, my chin. Oh. Oh. Yes. Oh. Now it's okay. One. Oh. I can get two. Oh. 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 No. Oh. The shoulder. Not more up. The shoulder. This one here. One. Change your shoulder. One. No. Focus. Relax. You can do that. Yes. Want to hook? Two. Shoulder. No. Shoulder. One. And go. Body shot. Four. Ooh. Small detail is important. Yeah, it's good. You know? It's good, but you know, to do it straight when you say it, it's hard. Yeah. But I'm trying. Shoulders, I feel the difference with the shoulders. Yeah? You feel? Yeah. If you feel, good. But need understand now. Yeah. If I work, oh, you feel my old back work. Yeah. Boom. Same. Hold. I work all my weight. Hey, c'est pas facile parce qu'il donne tellement de détails à modifier pendant le cours. En plus, ils donnent vraiment une méthode un peu russe. C'est les modèles russes comme ça, ils font beaucoup les épaules. Et en vrai, c'est bien parce que ça apporte beaucoup de puissance. C'est pas facile à mettre en place dès le départ quand t'es habitué à faire autrement. C'est vraiment intéressant. Tu vois, il parle un peu anglais, il parle quelques mots, mais en vrai, tu comprends ce qu'il dit. Et c'est vraiment intéressant d'apprendre d'autres styles pour évoluer. Et après, c'est à toi de faire ton propre style au fil des années quand t'as appris plein de techniques différentes. Là, c'est les épaules et la hanche. Ça, c'est vraiment des tips qui apportent beaucoup de puissance sur les frappes. Et voilà, je vais faire les exercices qu'il m'a donné. Et là, faut juste que je les pratique tout seul. C'est ça que tu vois beaucoup pour que j'arrive à les intégrer. Thank you.
l'entraînement, petite baignade. Ça c'est vrai que c'est un petit cheat code. C'est un petit bonheur, c'est un petit plaisir. Avant le deuxième entraînement de la journée, puis une petite pause, on mange au resto vu que c'est vraiment pas cher. Après on se pose sur la plage, ça c'est vraiment lourd. T'es mal à la beauté du bail. Sous les cocotiers et tout ça, c'est vraiment petit plaisir. Après frérot, là t'ouvres un dossier après ma gueule hein. T'ouvres un dossier après frérot. T'as fait ça gros. T'ouvres un dossier comment? Oh bien. Après la petite conférence là de JSP, petit macro, ça se met bien. Bord de la mer, c'est beau ça. En fait, tu vois, il y a beaucoup de gens qui pensent que le combat c'est pas hype du tout. C'est un jeu d'échecs gros. Le combat ça reste un prison dans la cage, parce que tu dégages dans la cage. Tu sais, t'as plein de mecs. Et c'est pour ça que je dis genre des fois... Avec l'expérience, tu connais. Par exemple, les mecs de l'Est, généralement, tu sais que c'est pas des mecs expressifs. Ça veut dire que c'est pas parce que le mec il te regarde pas dans les yeux, qu'il baisse les yeux à la pesée, qu'il a peur. C'est juste qu'il est pas expressif. C'est pas dans leur culture. Mais crois-moi que demain il va venir critiquer ta mère. Ouais. Mais genre en mode te niquer ta mère. Ouais. Mais à la pesée, il va être là, il va te faire sa maïko, il va baisser les yeux. Ouais. En mode I'm saying the guys Dagestanis. You know, at the way they don't look at you mad, they don't. They, yeah, it's they like really nice. Shy, but tomorrow they're gonna fuck you up. There's really good fighter, Dagestani fighter, nobody knows about. Yeah. They're underrated, yeah? Yeah. Yeah, it's true. Mais moi je dis, t'en as trop. I know a lot of people from Dagestan. Dans ce truc, man. They spar. Toi, on est dans une hype où t'es fou, fort. Way different, but nobody knows. Dans les réseaux sociaux. Tu vois, tu parais vraiment fort. You need to build something. There's like I say to everyone, I'm not gonna be the best fighter, but I'm gonna be on top. Le problème, c'est ton art. Yeah, let people know you. Ils sont pas vraiment comme ça dans leur personnalité, genre ouais. Eux-mêmes, la personne elle est pas, c'est pas un mec comme ça. Parce qu'il y a une différence entre en étant bon parce que t'as combattu des mecs qui étaient moins forts que toi, tu les as battus, et être bon quand t'es dans un combat difficile. Pour moi, je pense que plus un fighter où je sais qu'il a fait la guerre et qu'il est ressorti victorieux qu'un mec a toujours gagné facile. Quand il a fait la guerre et qu'il gagne, c'est qu'en mode tu dis ok, le mec il était en mode tu sais que lui, ouais, il a quelque chose. Genre en mode en dessous, en notre trouble, il est là. Moi, ouais. Bon, tu filmes là tout à l'heure. Quoi? Filme là? Ouais. Putain, le mec a vraiment fait les mains et tout. De bâtard, voilà. Après, en plus, c'était dans mon axe, wesh. Ah ouais? Mais rien! Putain, je mange avec les mains depuis tout à l'heure et tout. Et alors, on mange avec les mains, wesh. Ça va quoi? Mais lui, il fait exprès qu'on le voit. Ce sera affiché, frère. Ce sera affiché. But it's also what makes the sport beautiful. If something is important for you and you care, especially in combat sport, it's normal to be afraid. But the nature of our sport makes it hide it. For well over a decade, George St. Pierre exemplified excellence both in and out of the octagon. And those three letters, GSP, have become synonymous with another acronym that is popular in sports. Go. And I'm no different. If you see me walk towards the octagon, I walk like I'm giving the impression that for me it's impossible to fail. And I'm excited to be there. And I can't wait to find out how I'm gonna win and kick his ass. But deep down inside, I'm like, God damn, oh! This is normal. So I use what is called James Lange theory. He says that your mental can affect your physical. It's true. I'm thirsty, then physically I grab and drink. So my mental affect my actions, but also your actions can affect your mental. So if you have a fight and you're scared, which is normal by the way, don't act like you're scared. Play the role of a confident man. If you know you did all the work that you needed to be done to be successful, this is called confidence. And this is what you need to focus on. Focus on confidence. Confidence is not the absence of fear. It's knowing that you have what you need in order to achieve your goal, which is winning the fight. It's normal to be afraid. Just put on a mask and fake it until you make it. That's how I see things. Another reminder, we have t-shirts available for this event. We also have tickets available for the second. Okay, 1, 2, 3. Lovely, thank you. Isn't it here?
Tout à l'heure, je voulais lui poser une question dans la. Il y a eu la Q&A session. Mais c'est passé trop vite, ils ont coupé le micro et j'ai eu trop le seum. Et là, il y a 15 000 personnes qui veulent prendre leur photo, j'ai pas à lui prendre la tête. Si j'arrive à la frapper à un moment, je lui poserai une question. Tes impressions à chaud? Ah, franchement, trop bien. Mais déjà, le gars, il a le sourire pendant les deux heures, il a le sourire, ça fait trop plaisir. Franchement, il a la grande classe. La grande classe, c'est vraiment un champion. Bon, les gars, j'ai pu faire ma photo. Après la photo, je m'en tape, mais je voulais juste vous poser une question. Au moment où je devais parler, ils ont coupé le truc. Voilà, c'est pas grave. Et je voulais essayer de trouver 5 minutes où je pouvais juste vous poser une question en devant la cam, ça peut être sympa. Et bon, après, il y a tellement de personnes qui veulent nous parler, j'ai pas envie de prendre la tête, tu vois. Il doit sourire toute la journée, déjà, ça peut être tellement chiant. En tout cas, tellement classe, tellement impressionnant. Ça se voit que c'est un champion. Vraiment, c'est un champion. Et le mec, il est stylé, il est classe, il parle bien. Il prend le temps de répondre et tout. Franchement, beau gosse. Vraiment beau gosse. On va le voir un peu s'entraîner, ça va être intéressant. Et voilà, franchement cool. Bonne expérience. J'ai pris une petite pizza. Vous allez me dire, t'es en Thaïlande, quoi, tu manges pas typiquement les plats culturellement thaïlandais? En sortie d'intoxication alimentaire, à peu près 2 jours, toujours dans le mal, avec mon bol de riz, bien sec. Je peux vous faire un petit topo de ce qui se passe en ce moment. Je me suis rendu compte qu'en fait, moi dans ma vie, j'ai énormément besoin d'isolement. Genre j'aime être en groupe, c'est des moments, surtout avec les gens avec qui je suis souvent, je tape des bars, les gens avec qui je partage ma passion, qui est le même. En fait, très souvent, j'ai besoin de m'isoler. Je m'en rends compte maintenant. Quand je suis à Paris, j'aime m'isoler. Là, la difficulté pour moi, ici, j'adore les personnes avec qui je suis parti, mais quand on est tout le temps ensemble, moi, ça me pose des soucis. J'ai besoin d'avoir mes moments tout seul. Parce qu'en fait, ça me permet d'être face à moi-même, face à mes idées, pouvoir réfléchir. Genre, ça me fait kiffer, tu vois, qu'on discute et tout. C'est ça, les potos. Mais genre, des fois, j'ai besoin d'avoir mes moments tout seul. Et c'est pour ça que j'aime bien avoir des phases en groupe et des phases où je suis solo chez moi. J'ai trop besoin de ça. Et donc, récemment, je me suis isolé. Et du coup, il y a eu des petites incompréhensions dans le groupe. Il y a des personnes qui croyaient que qui m'avaient saoulé, que je voulais plus les voir et que du coup, je m'étais barré. Pas du tout, mec. Mais en fait, le problème, c'est que comme j'ai des projets, genre j'ai YouTube, les entraînements, tout ça, moi je peux pas attendre les gens. Ça peut parfois poser du tort dans les relations avec les gens avec qui que tu côtoies, tu vois, parce que eux ils ont besoin de savoir ce que tu fais, où tu es et tout ça. Alors que moi j'aime être libre et faire mes programmes comme ça me chante. Bref, on a parlé, on m'a reproché d'être égoïste. Et en fait, je pense que. Est-ce que je suis égoïste? En fait, je pense pas être égoïste. En fait, je place mes priorités avant celle des autres. C'est-à-dire que moi, je vais pas être là pour l'intérêt du groupe. Moi, le plus important et ce qui compte le plus pour moi, c'est mon succès, ma réussite, c'est mes projets. C'est ce qui, genre, en top priorité, c'est là, tu vois. Il y a rien au-dessus. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai eu besoin de m'isoler pour plusieurs raisons. On m'a reproché d'être égoïste. On allait au resto le soir, je partais plus tôt parce que je veux dormir tôt. Comme ça, le lendemain, je peux attaquer bien ma journée. J'ai mon programme, j'ai mes trucs. Et si vous voulez atteindre vos objectifs, faut pas attendre les autres. Faut vous faire vous-même. Fixez-vous des tâches à accomplir. N'attendez pas les autres parce que vous commencerez jamais. Sac à main, sac à main. Gauche, sac à main, gauche, sac à main, gauche. Oh le pétard que c'est. Oh la dinguerie.
c'est incroyable. Non, c'est incroyable.